Bonjour Mathilde Dussel, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Un peu fatiguée, mais on n'est pas là pour ça. Je viens de recevoir à l'instant la box du petit colis, du colibri. Voilà. Du coup, je me suis dit qu'on allait l'ouvrir tout de suite. Voilà. Par attente, même si elle va pas être montée et mise tout de suite sur YouTube. Moi, j'ai trop envie de savoir, j'aime pas de pas savoir. Alors hop, oh ben encore du bulle comme l'autre fois. Ça, moi ça se présente comme ça. On n'a pas beaucoup de goodies. Enfin, du coup je retire le papier. Ah, oh, on a encore quelque chose qu'on a déjà eu. Alors, je parlais de ça. Je l'ai déjà en trois fois. Voilà. C'est une petite trousse comme ceci. Voilà, que j'ai déjà 300 000, mais ça peut toujours servir. Voilà. Après, on a un sachet de thé de Belgique, thé route, et je ne sais pas c'est de quoi. 4 minutes. Voilà à quoi il ressemble. Je ne sais pas à quoi c'est. Il s'en sort rien du tout. Par contre, il y a plein de petites choses. Je ferme. Voilà. Je vais prendre ça. Je prendrai les livres après. Du coup, on a un joli marque-page. Il est très beau. Ça change un peu de ce qu'on a d'habitude. J'aime beaucoup. Et il y a une citation. Mais c'est la box de janvier. Je ne vous l'ai pas dit. Mais c'est pour ça qu'on a le thème un peu hivernal. C'est pour ça qu'on a du thé. Voilà. Après, on a la gazette. Voilà, qu'on a tout dedans. Voilà. Avec les coups de cœur, les dernières parutions, voilà, les un peu de tout, voilà. Après, on a Challenge du lecteur 2021. Une petite carte comme ça, toute mignonne. Alors, après, on a beaucoup de cartes cette fois-ci. On a Mes intentions en 2021. C'est une carte aussi, vous voyez, c'est du carton. Voilà, les intentions. Et puis, cette magnifique illustration, elle est très belle. Voilà. Avec un livre, le thé, tout ce qu'il faut en hiver. Sauf que là, on n'est plus. Et. Comme chaque année, y mettre le calendrier des deux côtés. Hop, hop, hop. Voilà, de 2022. Voilà. Là, on commence par ici. Voilà, ça peut toujours mettre sur mon bureau. Et du coup, après, il y a un livre que j'ai vu et que je me fais un peu chier, mais c'est pas grave. Je l'ai déjà. Qui a oublié de le mettre dans le petit colis? Moi. Gove of Love, peut-il vraiment repasser tous les cœurs brisés? Chez Hugo dans la collection New Romans. Je vais quand même vous lire la quatrième de couverture. Du coup, Eros et l'amour. C'est une histoire qui dure. Cela fait des millénaires qu'il insuffle aux âmes mourir de leur donner goût à la vie, laissant les esprits soulagés dans le silage. Il est fait pour ça, il est né pour ça. Irrompiblement, ses sentiments lui est pourtant interdit. Alors, à la force d'assister aux histoires des autres, c'est presque par hésiter qu'ils volent au secours des cas les plus désespérés pour leur apporter ce qui lui ne pourrait jamais vivre. Lors de la rencontre, Carla, il sent qu'il est le même de lui provoquer une aide. Donc, elle a besoin de cœur brisé. La jeune femme refuse favour fa rouge
et de laisser bercer par les beaux mots de sa voix. On va tenter de faire de nouveau un nouveau aimé devenir un défi personnel, et Rose est prêt à relever peu importe le défi. Mais c'est avant la guerre, le cœur est d'autre, et Rose devrait avant tout à passer au sien. Peut-il vraiment réparer tous les cœurs brisés? Voilà. Il est trop beau ce livre. Et le dernier livre. Il est rouge. C'est Majesté les fièvres de Eve Bololi. J'ai lu. Du coup, je connais pas. Voilà, je l'avais vu en bleu, je pense, la couverture. Je sais pas pourquoi on l'a en rouge, mais voilà. Alors, et c'est, j'ai pas pensé de vous dire, celui-ci c'était un drame psychologique, et celui-ci il est pas mis. Après, Majesté du Book 2016, non, je vois pas. Bon, on va lire la quatrième de celui-là. Allez, Lucie, dernière fabriquée les fèves de France. Les fèves, la majorité. Je sais pas. Fèves. Désespérée à l'âge hors des fèves, elle révolue. Il vient de mettre la clé sous la porte. Pour la couronne, le tout, sa petite amie, pile badage. Heureusement, sa sœur Cristaline ne n'attend pas à cette oreille. Pour une lancieuse de disque de ce niveau défaire, ce n'est pas une option, mais elle met donc un point en plan. J'ai un coup de bug là, j'ai un coup de pompe aussi. C'est ça. J'étais follement insensée pour sauver le frère d'inatation. Londres pour rencontrer de la reine Elisabeth. Après adopter la galette des rois est devenue son fier officiel. Commencez alors de périple recombolesse et accompagner Roméo, le fils de Christine, en train de vaguer aux âmes implacables, mais aussi de m'enflammer Cajniche Michel, sans comprendre la relation d'un ex-détenu à cœur artichaut et d'une danseuse boiteuse de la beauté renversante. La situation divante beaucoup d'humeur, mais aussi de la tendresse. Voilà. Dites-moi lequel qui vous tente le plus. Moi, je dirais sur celui-là. Voilà. Et les goodies, ben voilà, on n'a pas... je trouve que ça diminue beaucoup aux goodies. Voilà. Pour le moment, je suis en train de réfléchir si je vais vraiment garder cette box ou aller dans une autre. Voilà. Et ça, c'est les petites cartes qu'on a eues. Les petits marque-pages. Le petit thé et la petite trousse, parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Je suis un peu, voilà, mitigée. Mais voilà, sur ce, j'espère que cet unboxing du petit colis vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.